I'm drinking a lot of Coca-Cola. You know. But beside that, not that much. D'ici c'est vieux, je sais pas. Je te dirai ça dans un an quand j'y serai plus. Oh, j'en ai marre. Putain, mais je vais m'éclater. Vivement que ça finisse. Enfin, c'est mort, par contre, je rate rien cette année. Oh là là, flemme de recommencer. T'imagines réviser, dans tous les cas, je recommencerai jamais, mais. Repasser en candidat libre, ça voudrait dire qu'il faudrait rire. Au revoir, on sait jamais. Hein. Je sais que j'ai des épreuves que je vais réussir, d'autres que je vais foirer. C'est pas Coca-Cola, c'est Coke, ça dépend où tu es. Tu crois pas, ils connaissent Coca-Cola, hein, genre, faut pas déconner. Hein. Il y a marqué Coke sur la boîte, mais juste qu'ils utilisent l'autre terme. Pas Coca-Cola, c'est Coke. Tu veux vraiment avoir des ennuis, toi. Tu veux un ban, c'est ça. On s'en fout, j'aurais pu dire Coke, mais. Tu vois, le mec il me demande si je fume ou si je bois un truc. Je vais pas lui répondre que je consomme de la coke. Tu vois, enfin, c'est compliqué. Les relations étrangères, tout ça, tout ça. Pas besoin de révision pour le bac, c'est un diplôme donné. Bah écoute, laisse-moi tranquille, ok? J'aime pas trop l'aide. Vraiment pas fan du champion. Arcage de l'ANES l'année prochaine, faut vraiment beaucoup bosser ou pas? Ouais. N'importe quelle filière générale, tu vas beaucoup bosser à moins que tu sois talentueux dans certains secteurs. Genre, si ton domaine de prédilection c'est. Peut-être faut que t'ailles dans ce que t'aimes faire hein, si tu veux vraiment faire une générale. Bon, pour le coup, j'aimais que dalle. Hein. Je choisis la plus générale. J'ai pris ES, économique, sociale. C'est toujours utile de savoir comment ça marche la société, comment ça marche économiquement, du coup, why not? Après, moi je voulais faire du montage vidéo, tu vois. Les bacs pro, personne ne voulait que j'y aille. D'accord. SCD2A, j'avais pas le niveau en dessin. Du coup, je suis stuck dans le système. Hein. Ma vie archi naze. Ouais, pour n'importe quelle filière générale, tu vas devoir bosser. Ouais, celle où tu vas moins bosser en théorie, c'est en littéraire si t'es vraiment doué quoi. Mais faut être doué. ES, si t'as l'habitude de lire les news, voir ce qui se passe dans le monde en point de vue économique et social, c'est pas mal aussi. Et après, l'AS, bah, c'est le truc là où t'as besoin le plus de connaissances quoi. Et ça, le problème, c'est que c'est pas vraiment un truc que tu peux. Choper de manière random quoi, comme. Comme juste lire des bouquins, voire lire le journal. Pour moi, on pousse un peu plus. J'étais pas drôle, toi, tu sais ça. Là, il va avoir son niveau 2. Ouais, je parle, mais du coup, j'ai pas pu le prendre l'ascendant en lane, c'est chiant. J'ai raté du farm. Hein. Archi triste. Ouais bon, un peu dommage. Enfin, en plus j'avais pris mon niveau, j'aurais peut-être pu prendre mon windball et ouais, j'aurais pu faire ça. My bad. Après ça va. Le trade passe. C'est ceux qui taffent sont ceux qui en ont besoin, rien à voir avec la filière. Ouais, généralement, si tu connais pas ce qui se passe dans la filière, hein, ah, d'accord. T'en as besoin quoi. C'était archi drôle les mecs à ce vélo.
Ça va, vous êtes drôle, hein. Ah, c'est légal, lycée en général, c'est la manière qu'on prend les études. Ça dépend de ce que tu prends après. Mais bon, moi je compare principalement ce qui est comparable, genre les bacs général et bacs pro. Et encore là, je compare même pas les bacs pro, je parle juste de pourquoi tirer en général, pourquoi pas. En vrai, n'importe quel game que vous regarderez de ma part, c'est assez rare que l'early game donne envie. Hein. Mais plus de connaissances, je dirais plus CES. Ouais, mais c'est quand même des connaissances que tu peux avoir facilement si jamais t'es un minimum de culture quoi. Et que tu t'es un petit peu penché sur l'histoire en plus de te pencher un petit peu sur toutes les news, etc. Je pense que c'est un petit peu plus dur quand même de savoir comment certains éléments marchent, etc. Bon après, généralement vous le savez ça, parce que si vous êtes plus littéraire, scientifique ou penché vers l'économie et sociaux. Mais bon moi je parle de ça mais j'ai pas testé les autres ni rien, hein. Genre je suis pas un expert. Hein. Je donne juste mon avis. Prenez-le comme vous voulez. Hein, mais... Oh, on vole tout, il y a The One. Il reprend du service. Son épée. Hein. His broken blade. It's been reforged. C'est Riven, vole tout. Il vient d'avoir son ultimate. Sa poche. Ouais. Sérieusement là? Ah oui, comme ça, carrément. Je me fais gaffe qu'il avait son 6 en fait. Ça me fait chier quand même. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ok, peut-être qu'il venait de l'avoir en plus. Un peu chiant. T'en fous ça, parce qu'en vrai j'étais archi safe. Ah, le but ça aurait été de le bait un petit peu le Kha'Zix pour qu'il perde du temps en top lane, mais bon. Le niveau 6 qui est pas mal. Bon, la même escape était pas possible. Trop d'HP perdu. On remarquera bien entendu le champion à knockback et Karim qui n'a toujours pas gagné la top lane. C'est fou. Consternant. T'as l'air fort, le gank était hyper facile à éviter. Bon écoute, on va pas épiloguer là-dessus. Hein. Le gank était hyper facile à éviter. Même dans ma situation là, en ayant. En restant là, le problème c'est qu'il a eu son ultime. Hein. Ça va que je t'explique que j'ai essayé de faire perdre du temps en top lane en vrai. J'ai rien contre toi, le chien maigre, mais. Ce genre de commentaires, franchement, je m'en passe. En vrai. J'ai pété les plombs contre chose. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec est full HP, la lane est au milieu, il gank maintenant. What the fuck. Ok, why not.
Putain merde, j'ai dit naï. Putain, pourquoi j'ai dit naï? Oh mais go popo. Mais moi aussi il me campe, le jungler me campe comme ça. Ouais, j'arrête pas de jouer pour autant. Hein. Je suis en 3, je suis en 5, je suis en 7. Je vais taper des assists. Mon jungler est M. Aïe. Et on continue de jouer, c'est pas un problème. Malgré l'adversité. Yosh. Obéis ça, j'ai pas réussi. Je vais pas retourner en arrière. Oh, close. Et je ramasse bien. Comme si j'arriverai à revenir assez rapidement. Dommage. Ouais bon, une autre. D'avoir la vision, j'imagine. Amusant ces types. Hein. Archi drôle. Hein. Et bien on leur éclate. Voilà, ça c'est réglé. Nice ça aussi. Sur mon est archi rincé. Le gros dalleux. Ah t'as vu le Kha'Zix, il a une sale gueule. C'est chaud. Qui sont d'habitude, n'inquiétez pas. What? Ok. Ah, j'ai vraiment buté quand même. Ok nice. Est-ce qu'elle est safe là? Ben là. Ok fine.
drôle. Il y a combien de kills? 2, 2, 3. Ok. Normal quoi. C'était clean quand même, ouais, mais bon. C'est comme d'hab, c'est éclate quoi, genre. Nom de gueule, fils de pute. Hein. Qu'est-ce qu'il fait cet enculé? Ils sont sérieux là? Passe quoi? On a changé de jeu. Qu'est-ce qui se passe? Non, genre réellement. Ah oui. Ah oui, non mais. Tu t'amuses, hein. Clairement. Ça, tu t'en diras bien sur cette game, lol. MDR. La blague. Hein. Bon, tu vas bien s'amuser, non, dans un jeu, il me semble. Hein. C'est rare ça. Le cas il veut montrer qu'il est archi chaud. Du coup, mec. Bah, d'abord, soit il est en top side. Donc, bon. Voilà. Les mecs se font doubler. On va par là-bas. Hein. Voilà quoi. C'est aussi un petit peu le principe du champion, donc, why not? Là je cherchais ça first, hein. J'aurais plus de dégâts sur les tours. Là c'est vrai quand tu te de base. Ouais mais en ce moment je me tape souvent des jungler chiants. Hein. Des écarimes.
Les Kha'Zix. Le pire c'est que genre là j'avais une jungler comme Karim hein, qui pourtant peut faire des gangs vraiment ultra cool pour un Yasuo. Bah il fait pas grand chose hein. Mais là c'est con qu'ils soient tous morts en essayant de dive parce que bah moi j'aurais pu prendre deux tours hein, pendant qu'ils mettent la pression en top lane hein. Mais ils sont morts. Alors j'aurais pu leur call. Mais bon. Il me fait douter les Kha'Zix en vrai, j'allais tout disparaître hein. Dans cette game avec des mouvementages level. Ah, après, c'est plus highlight, je pense. J'en record de ça. Il n'y avait pas vraiment de mouvementage like, mais il y avait des moves intéressants. Alors, que je pense ça. Je rush ça direct. Ah, what? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pas laisser cette ping, trop dangereux avec le Kha'Zix. Il y a quand même une grosse différence de PC entre toi et Yasuo, pas du tout le même stream. Après moi je joue top lane et puis c'est vrai que là je suis en train de partir pas mal sur les builds orientés Triforce hein. Puis même le simple fait qu'il soit là enfin, on est obligé un petit peu de se départager pour que, enfin moi je prends les choses comme ça quoi. C'est à dire que... What? Il pourrait toucher. C'est mieux pour nous de varier un petit peu. Hein. C'est le streaming qu'on propose, quoi. Je pense. Bon, je me redirai un petit peu plus vers le français et le Yasuo Tanky.
archi pas fun, mec. Pas nous non plus, là. Ouais, Rampage. Oh, j'ai quoi, pas eu le tabac. Je pense qu'il était silence pendant un petit moment quand même. Après je pense qu'il a pas vu où j'étais directement, si tu penses au fait que il aurait pu pour me buter. Bon, je pense qu'elle a été propre cette game quand même. C'est cool. Plutôt propre même. Du réflexe. Putain, c'est la sortie la plus simple en vrai, mais bon. Bon, des fois je suis en déclaqué, c'est pas très grave. Hein. Nice. Le gameplay is annoying, yes. Vraiment, jure. Just kicking, bah oui. Exactement ça. J'appuie sur mon comme on retard. Je lâche partout. C'est quoi, c'était ton ultimate? 24 secondes. J'ai pas de CDR, enfin pas beaucoup. Si je voulais forcer, je pourrais faire ça par exemple. Tu vois. J'ai pas vu que ça finisse comme ça, hein. Mais non. Ça finit même pas sur un move que moi j'ai porté. Bonne move speed. Hein. Putain, j'ai l'impression qu'on m'a volé la game. Hein. Bon. Je suis triste. J'ai juré, je suis triste. Bon, est-ce qu'on peut discuter du build un peu là? Vous en pensez quoi?